Pascal. C'est Kamel Lance pour Off TV. Faites la place quand le boss lance. Débarque de ma colline, j'observe le rapide. Me tape des barres, un son de balle jouet. Si Eskalpovic, j'ajoute perso comme Ibrahimovic. On a changé de nom tout simplement parce que les gens m'appellent plus Kamel Lance que Kamel l'Ancien. C'était vraiment pas pour relancer soi-disant ma carrière, c'est vraiment pas un truc stratégique. J'apprends et je vais apprendre. Avoir du flou et rapper, je vais t'apprendre. C'est le son qui fait peur, je rappe comme un pack. Pourquoi avoir choisi Escal Record? Parce que ce qui me proposait, ça répondait vraiment à mes attentes. Et en termes de travail, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Le même Lance est devenu un prince, le rap français a changé. Franchement, je me sens tranquille, j'ai aucune pression. J'ai fait un album qui est super carré. Après, t'as vu, on est dans un milieu où c'est la musique qui va parler, c'est la musique qui décide. Et moi, je pense que j'ai fait ce qu'il fallait pour que les gens répondent présent. Pour Escal Record. Parce que l'une nous fait la force, on est plusieurs dans mon crâne. Hey, Joker cannibale, mon négro sans force et je m'almène. J'ai travaillé spécialement avec Scalp. Il a réalisé, on va dire, pratiquement les trois quarts de l'album. Après, j'ai travaillé avec mon petit frère qui avait déjà travaillé sur mes albums précédents. On a travaillé avec Proof de Dean Record sur une prod. J'ai travaillé aussi avec un gars qui s'appelle Gans, un mec qu'on a rencontré sur internet. Un bon producteur, c'est lui qui a fait du sang sur ma feuille, un des singles qui tourne en ce moment. Il nous parle de ma clique, on les connaît même pas. Even District, mets-toi une balle si t'aimes pas. Il y aura des feats, on va retrouver Sarah Riani sur un titre. On va retrouver La Fouine sur un titre, comme il m'avait invité sur Capital du Crime, je l'ai invité sur mon album. On va retrouver MLC, un gars de Escal Record. On va retrouver Sultan. On retrouve quand même pas mal de thèmes où ça parle un petit peu de politique, on va dire, où ça parle un peu du dégoût qu'on a par rapport à ces gens-là qui nous montrent du doigt. Il y a beaucoup de thèmes sur l'homme en général, sur les sentiments, sur la vie en général. Mais je pense que celui-là vraiment engagé, c'est du sang sur ma feuille. Après, des comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Je m'adresse en fait à tous les gens qui, à un moment donné dans ma carrière, m'ont fait des promesses qui n'ont pas tenu. Donc à un moment donné, j'ai fait le morceau Pas Besoin, où je dis voilà, moi j'ai pas besoin de toi comme j'ai pas besoin d'un tête. C'est la famille, c'est Escal, unis sur le même track. Mon flow te met les larmes aux yeux comme si j'ai mis des claques. Depuis l'époque des cartables, tous dans le... Non, c'est pas un tox, c'est vraiment vrai. Mais après, personne n'a répondu, donc je pense que... Je sais pas ce qui va se passer pour les jours à venir, mais je pense que ça va pas aller plus loin parce que voilà, faut que pour faire un combat, faut être deux, tu vois. Moi j'ai répondu présent, maintenant si Booba n'a pas répondu présent, c'est peut-être parce qu'il a beaucoup de choses à faire, peut-être qu'en ce moment il est occupé, tout simplement, tu sais, ça peut être ça aussi. Hein. À trop croquer la vie, on est nombreux à être en veille. A bientôt, très prochainement, Kamel Lance. Chez nous les coups sont durs, c'est pas des buts que l'on encaisse. On a plus froid aux yeux, ils ont juste chaud aux fesses.